Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et vous pouvez me retrouver sous le pseudo YarnFlex sur Instagram et Ravelry. Ici sur YouTube, je fais des podcasts tricot, principalement en anglais, une fois par semaine, et je récapitule tout dans des épisodes en français, une fois par mois. Et tous ces épisodes en français sont réunis dans une playlist YarnFlex en français que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode en français. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Moi, ça va, je suis un peu fatiguée, mais je pense que ça se voit. Mais ça va mieux. Ah, c'est en train de s'arranger, mon sommeil. Et ouais, un petit mot d'abord concernant le format du podcast. Vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu différent. En fait, j'ai changé d'ordinateur et du coup de logiciel, c'est dur à dire, le logiciel de montage. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à subir les balbutiements du début parce que le premier épisode en anglais que j'ai monté comme ça, c'était un peu aléatoire. Du coup, là j'ai un peu plus l'habitude, donc ça va, c'est encore un peu approximatif. Mais du coup, j'ai un peu décidé d'en profiter pour revoir un peu le format du podcast. Vous voyez pas forcément parce que j'ai pas tant d'épisodes en français que ça, mais ça fait un moment que je suis un peu dans le même cadre. Et je commençais à m'ennuyer, j'étais pas très convaincue par les cinq sections très fermées du podcast. C'était beaucoup de travail pour au final un résultat qui me convenait plus. Du coup voilà, je tourne un peu différemment, peut-être un peu plus en mode de discussion. Ce qui est un peu. Ce qui demande un petit peu d'adaptation. C'est pas très naturel pour moi de faire comme ça, mais voilà. Donc c'est juste pour vous prévenir que cet épisode, c'est le premier d'une nouvelle ère de montage. Donc voilà, le logiciel que j'utilise, c'est VSDC. Maintenant, et il est très complet, surtout il me permet d'arranger le son de mes podcasts qui était un peu bas, voire très bas sur certains épisodes. Mais ce logiciel n'est pas du tout intuitif, donc j'ai zéro patience pour apprendre ce genre de choses. Ça m'intéresse, j'aime beaucoup monter, mais en fait je vais voir au fur et à mesure et trouver les différentes astuces. Parce que j'ai pas du tout ni le temps ni l'envie de passer quelques jours à vraiment chercher absolument tout et voir que tout marche. Donc au fur et à mesure, quand j'aurai besoin de faire quelque chose, on verra si j'y arrive. Mais voilà. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. Beaucoup de tricots, des projets finis, dont deux patrons qui sont publiés sur Ravelry. Plein de nouveaux encours dont je suis super contente et qui me plaisent beaucoup, donc j'espère que ça va vous intéresser. J'ai aussi une jolie laine à vous montrer, quelque chose qui est arrivé dans mon stage récemment et dont je voulais vous parler. Et je vais aussi vous faire une revue rapide de Stripes, donc qui est une nouvelle collection de patrons publiée par Making Stories. Voilà. Et mes notes sont là. Et à la fin de l'épisode, je voulais répondre à quelques questions. J'ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions pour le podcast. Donc j'y répondrai à la fin de l'épisode. Et du coup, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose dont j'aurais besoin pour répondre à ces questions. Donc j'irai le chercher à la fin. Mais voilà. Pour commencer, ce que je porte, j'ai mis mon So Faded, histoire de bien vous faire mal aux yeux. Je sais pas si vous pouvez. Oui, j'ai aussi changé d'endroit. Pas tout à fait d'endroit. Disons que j'ai trouvé un système pour que la lumière soit bonne et pour que le téléphone ne bouge pas constamment, ce qui était quand même vraiment nul. Donc là, c'est bien, c'est mieux, mais du coup, je suis très proche du téléphone. Donc quand je me lève pour vous montrer des trucs, c'est pas pratique. Mais voilà, c'est mon So Faded avec cette espèce de marbrure ici. Donc c'est un patron d'Andrea Mori, c'est la version pull du Find Your Fade si vous voulez, et voilà, il fait bien mal aux yeux. J'ai utilisé des laines, alors ça c'est Woolen Boon, son coloris Bedazzle, qui est très joli en bleu à speckle. Ça c'est Kindred Red, je crois que le coloris c'est Tiger Lily. Ça c'est Cosmic Strings Afternoon Tea, celui qui fait des marbrures.
C'est Space Cowboy de Woolen Bull aussi. Et à la fin, c'est un petit peu de Raven de Black Elephant. Voilà. C'est en fait grosso modo les mêmes coloris que mon Find Your Fade. Et j'avais du coup fait la version pull. Et voilà, j'avais envie de vous exploser la rétine aujourd'hui. Voilà. Je vais commencer par le tricot. J'ai quelques projets finis. Le premier que je vais vous montrer rapidement, c'est le top Esté de Justina Lokowska. Et vous m'avez pas vu tricoter ça parce qu'en fait, je l'ai fait pour une série de vidéos un peu spéciales sur ma chaîne, les vidéos Project Focus. Donc c'est des vidéos un peu plus vlog, voilà, où je montre la création d'un projet de A à Z. Et donc pour cet été, j'avais choisi de faire le esthétique, il y a ces panneaux de dentelle sur les épaules. Je l'ai tricoté en lin. Et en fait, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est en anglais, mais je parle pas beaucoup dans ces vidéos et c'est sous-titré en français. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Mais voilà, je voulais juste vous montrer. Il est super agréable à porter. Je l'aime beaucoup. Voilà. Avec ça. Il a le bas du pull est légèrement arrondi avec des rangs raccourcis. Il est très simple. Voilà. Je passe vite dessus parce qu'il y a une vidéo dédiée, comme je vous dis. Mais surtout, j'ai d'autres projets finis. Le premier projet dont je voulais vous parler, c'est le châle triptyque. Donc, qui est un de mes modèles. Je crois que je vous l'avais montré dans mon dernier épisode en français en cours de création. Il est maintenant publié sur Ravelry. C'est un patron gratuit. Donc, hop. J'ai oublié de dire que vous pouvez trouver tous les temps de ce dont je parle dans la description. Donc, si vous voulez sauter quelque chose, vous pouvez regarder et faire comme ça. Et je mets aussi tous les liens de ce dont je parle. Et donc, le châle triptyque, qui est un châle en demi-lune, avec des motifs de torsade en bas. Et en fait, l'idée avec ce châle, c'est d'utiliser trois poids de laine différents pour un peu expliquer ce que c'est vraiment que l'échantillon et un petit peu défaire des idées reçues qu'on a, notamment sur l'échantillon, ça correspond à un certain poids de laine, ou l'échantillon, ça correspond à la manière dont on tricote. Voilà, donc le patron est gratuit donc sur Ravelry et au début il y a un petit texte où j'explique un peu ces deux idées reçues et pourquoi c'est faux et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour explorer un petit peu plus les différentes densités de tricot et comment est-ce qu'on peut adapter un patron qui par exemple aurait un poids de laine qui ne nous convient pas à l'échantillon donné. Voilà, et du coup pour exemple, il y a ce modèle de châle, donc comme je dis, qui est un châle en demi-lune, qui utilise de la déca, de la fingering et de la dentelle au même échantillon. Donc là, c'est 19 mailles non bloquées, donc c'était, je crois que tu arrives à 18 bloquées en déca, donc ça donne quelque chose d'un peu, peut-être un peu ferme pour un châle, mais du coup c'est chaud et ça reste souple. Un peu plus aéré en fingering et quelque chose de vraiment très déjaugé en dentelle. Et j'ai mis une petite torsade à la fin pour montrer ce que ça donne quand on s'amuse à faire des textures. C'est un châle qui est relativement simple à faire qui a vraiment ce but de vous permettre de jouer avec les différents échantillons, de tenter des trucs. Voilà, c'était plus un patron à but pédagogique qu'un patron créatif. Et à la fin j'ai refait un petit peu de dentelle que j'ai bloqué pour que ça fasse un peu comme des picots, mais voilà, il me semble que je vous l'avais montré dans mon dernier épisode en français, donc du coup voilà. J'ai aussi ouvert du coup sur mon groupe Ravelry, le groupe du podcast, des fils de discussion si vous avez des questions, alors par rapport au patron mais aussi par rapport à l'échantillon en général. Je voulais du coup ouvrir un espace de discussion pour qu'on
qu'on puisse échanger ses propres, enfin chacun échange ses expériences et poser des questions éventuellement, même sur d'autres projets. Voilà, si vous avez des pulls et que vous avez des petits soucis d'échantillons, voilà, je voulais que ce soit un peu un espace d'entraide avec Social un peu comme prétexte. Mais voilà, donc le lien du fil de discussion est dans la description si vous voulez aller y jeter un œil et vous en servir si jamais vous avez des questions que je, moi ou d'autres tricoteurs qui sont sur le groupe pourront vous répondre. Donc voilà, c'est mon premier projet fini dont je voulais vous parler. Le deuxième, alors j'ai que des... J'ai que des créations, des designs qui sont finis, hein, à part le ST du coup. Mais le deuxième, donc c'est encore un patron de châle que j'ai publié sur Ravelry la semaine dernière. Donc vous l'avez déjà vu aussi, c'est le châle Avellana, donc qui est ce châle triangulaire avec un jeu sur les textures, donc pas mal de jeux sur des points de côte. Ici vous avez des motifs un peu géométriques et des torsades. Donc le patron est publié sur Ravelry depuis la semaine dernière. Et alors, si ça vous intéresse, je vous recommande vraiment d'aller voir les versions de mes testeuses qui sont, parce que j'avais que des filles, qui sont absolument sublimes. Alors, j'ai des testeuses qui l'ont fait en trois couleurs comme moi et trois testeuses qui l'ont fait en couleur unie. Et il est vraiment super joli en unie aussi. Ça fait vraiment ressortir toutes les textures et je trouve ça vraiment très élégant. Le mien est un peu plus automnal. Mais voilà. Et en plus, elles ont fait des très jolies photos. Donc, je suis vraiment ravie et reconnaissante à mes testeuses pour ce châle parce que elles m'ont beaucoup aidée. Le châle est écrit de deux façons différentes. Vous avez des diagrammes. Si vous voulez suivre des diagrammes, en fait, parce que vous avez une arête centrale, donc il y a une torsade ici, et à chaque fois, vous avez des diagrammes pour la torsade et pour les différentes sections. Et sinon, il y a une version rang par rang. En fait, tout le châle est écrit en rang par rang, si vous préférez. Ce qui fait que le patron est très long, mais n'ayez pas peur. Surtout en français, je crois qu'il fait 28 ou 29 pages en français. Mais en fait, c'est parce que voilà, il y a les deux jeux d'instruction et quand on regarde un seul jeu, c'est 8 pages, une petite dizaine de pages pour chaque jeu d'instruction. Et c'est un châle qui est relativement facile à faire, qui et je pense assez. Moi, j'avais tricoté très rapidement, mes testeuses aussi ont été très rapides. J'ai même une qui en a fait deux. Et voilà, comme ça change de texture tout le temps, je trouve. Voilà, je trouve que c'était très motivant à tricoter et il me plaît beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est à quel point il est personnalisable. En fait, vous pouvez très bien utiliser juste que des restes de laine, voilà, toutes les petites sections, une seule couleur, juste deux couleurs ou trois comme moi sur le modèle. Mais voilà, donc c'est le châle Avellana pour noisette en occitan. Et voilà. Donc il est publié sur Ravelry, le lien est dans la description. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des gentils commentaires sur la publication de ce châle. Là. Je donne aussi des instructions pour le faire plus grand si vous voulez. Là moi il est de taille moyenne, plutôt petite peut-être pour un châle triangle, mais en fait j'ai pas beaucoup tiré au blocage et il est aussi facile à adapter pour le faire plus long, je donne des instructions pour faire comme ça aussi. Voilà. Je suis toujours un peu gênée pour parler de mes modèles une fois qu'ils ont fini et qu'en gros tout ce que je vais vous dire c'est sur Ravelry. Mais voilà, c'est sur Ravelry. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les laines que j'ai utilisées donc. Ça c'est A Knit Away, donc il y a une teinturière anglaise dans son coloris Speckled Hen. Ça c'est Woolen Boon dans le coloris Dirty Chai. Et ça c'est juste un Cascade Heritage dans le coloris Charbon Charcoal. J'ai un autre projet fini, c'est vraiment
parcours. Et vous allez voir, j'ai des projets en cours qui sont quand même bien avancés, que vous avez jamais vus, donc c'est un petit peu l'épisode de je vous jette tout à la figure d'un coup, parce que ouais, du coup, pendant l'été, en fait, j'ai pas forcément moins tricoté, mais c'est juste que avec la façon dont les petites pauses podcast tombaient, il y avait moins d'épisodes en anglais, du coup les épisodes en français me paraissaient plus rapprochés. Du coup, j'avais moins l'impression d'avoir tout un bloc de choses à vous dire en français, et du coup là ça me fait un petit peu bizarre parce qu'effectivement j'ai 4 projets finis, 2 publications sur Ravelry, et 2 en cours qui sont très avancés, 3 en cours qui sont très avancés, et un autre sur lequel j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc vraiment ça va être un épisode un peu chargé, je pense. Mais bref, mon dernier projet fini, c'est encore un patron que je viens juste de finir et qui est en cours de test. Et donc c'est, il me semble que je vous l'avais montré aussi quand j'étais en train de le tricoter. Donc c'est Lucarne, donc qui est une étole. Je mets des cheveux partout parce que mes cheveux sont, oui, désolée, mes cheveux sont encore mouillés, j'en mets partout, c'est comme ça. C'est l'étole Lucarne, donc qui est une étole rectangulaire. J'aime beaucoup les étoiles rectangulaires. J'ai environ, alors je vais même pas vous dire environ, je vais vous dire ça très précisément. J'ai celle-ci, une autre qui va arriver, une autre, ouais, 4, peut-être 5, 4 ou 5 modèles d'étoiles rectangulaires que je vais tricoter. Ah, et une sixième qui n'est pas vraiment rectangulaire, mais si, quand même. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'il y a un seul. Ça me donne une impression de progression plus satisfaisante, en fait, puisque on a un seul nom de maille fixe et on ne se retrouve pas avec 500 mailles à la fin. Qui est sympa aussi, hein. J'aime beaucoup les châles très enveloppants, mais la forme rectangulaire me plaît beaucoup. Et du coup, ça c'est Lucarne, donc qui est une étole en dentelle, avec 2 motifs de dentelle, donc on va en voir un ici. J'essaie de vous montrer sur l'arrière-plan, mais il y a mon bras complètement multicolore, voilà. Donc, c'est un châle qui est divisé en 3 parties. En fait, vous avez une première partie avec ce motif-ci. Ensuite, vous avez une partie avec les 2 motifs ensemble. Donc, ce motif-ci. On m'a fait remarquer que ça ressemblait à des cœurs quand on le regardait comme ça. Effectivement. Effectivement. Et, hop, le dernier tiers du châle, c'est bah, ce motif-ci tout seul. Voilà. Moi, je l'ai tricoté en fil dentelle de Cosmic Strings. Donc, c'est un fil Yak, Merino, Soie et Yak, qui est d'une beauté. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment très doux, c'est très beau. Ça a une profondeur. Donc, c'est le coloris Penny, qui est absolument magnifique. Et ça fait une étoile qui est très, très délicate à porter. Voilà. Le patron est écrit en fait de façon à ce que on utilise autant de fils que l'on a, donc c'est un système de pourcentage. Donc on peut utiliser de la fingering, on peut utiliser plus de laine. Moi j'ai utilisé un seul écheveau de dentelle, donc 800 mètres. J'essaye et j'aime bien que mes patrons soient assez pratiques en termes de laine utilisée. J'aime pas trop. Déjà moi ça m'embête parce que ça me fait acheter plus de laine aussi, de devoir utiliser genre 5 grammes d'un écheveau et après me retrouver avec un écheveau presque complet, même si après on peut toujours faire des chaussettes et tout ça. J'aime bien essayer, c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible j'aime bien que ça tienne dans un écheveau. Du coup là, les écheveaux de dentelle de teinturier indépendant sont typiquement de 800 mètres. Alors que ce soit des singles avec de la soie, du yak ou
la BFL aussi, il y a pas mal des chevaux de dentelle de BFL. C'est typiquement 800 mètres. Donc avec un seul écheveau, vous avez du coup une étole qui est suffisamment longue pour être enroulée deux fois. Mais quand on veut plus, on fait plus. Et du coup, hop, on peut très bien utiliser 1000, 1200 mètres éventuellement. Ça ferait une étole plus longue, plus large. Si vous voulez monter des sections en plus, c'est tout à fait possible. Mais voilà. Moi, je l'ai fait donc en dentelle. On peut le faire en fingering. Et je le trouve très joli. Et j'aime beaucoup cette couleur. Je suis très contente des photos que j'ai faites pour le patron, pour une fois. Et voilà, il est en cours de test en ce moment. Donc, j'ai hâte de voir la progression de mes testeuses. Encore une fois, je n'ai que des filles. Bon, en même temps, en faisant des étoiles en dentelle, je ne sais pas trop ce que j'espère. Que vous pouvez tricoter pour vos amies féminines, messieurs. Ah, mais voilà. Donc c'est un patron qui est assez qui est simple en fait, hein, qui peut vite devenir quelque chose de méditatif. Les répétitions sont courtes et c'est en fait assez facile de voir où on est parce qu'une fois qu'on a un peu commencé le motif, on voit où est-ce qu'on doit diminuer ou monter. C'est des jetés, des diminutions simples, quelques diminutions doubles mais qui restent assez basiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, pour la partie centrale, vous devez tricoter les deux, suivre les deux motifs en même temps. Donc ce que j'ai fait, et j'attends de voir ce que pensent mes testeuses à ce sujet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suis battue avec la mise en page de ce patron. J'ai pensé au départ bah, faire comme à Velana et proposer vraiment un rang par rang. Mais c'était pas très, très pertinent, je pense, parce que, comme je vous dis, c'était que pour la partie du milieu. Et en plus, on ne commençait pas et ne finissait pas au rang zéro. Du coup, c'était pas très clair. J'avais peur que ce soit plus perturbant qu'autre chose de faire un rang par rang. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis battue, comme je vous dis, avec la mise en page, de sorte à ce que il y a les diagrammes et les instructions écrites. Et qui sont en fait disposés de façon à ce que bah, c'est comme un rang par rang, sauf que les motifs sont distincts. Donc quand vous regardez la page du patron, normalement, on voit bien tout ce qu'on doit faire sur ce rang, mais de façon à ce que les motifs restent quand même distincts. Du coup, les motifs sont répétés en duo quand c'est pertinent, parce que j'ai aussi j'ai fait quelques altérations pour que là vous voyez la fin de ce motif-là. Et c'est pareil pour l'autre, pour le début de l'autre motif. J'ai fait quelques altérations pour que ça fonctionne bien. Et ça se fonde un peu mieux dans le jersey. Du coup, ça fait que, oui, il y a deux diagrammes à suivre en même temps. Mais un coup, c'est un diagramme et un autre. Et puis après, ça s'en mêle un petit peu. Donc du coup... c'était pas très très simple à décrire à l'écrit. Donc je suis curieuse de voir si mes testeuses ont compris et comment ça se passe. Après bien 4 ou 5 heures de guerre avec ça, j'espère être arrivée à quelque chose de bien. Mais voilà. Donc il y a une petite bordure en point mousse. Et je l'aime beaucoup. Et ce que je trouve assez sympa, c'est que bah forcément la couleur est très automnale, mais comme c'est une étole en dentelle qui est légère et fluide, bah c'est automnal mais c'est pas trop chaud. Donc du coup, si comme moi, l'été ne veut pas partir, il fait encore 30 degrés, là, du coup, je trouve ça bien. Donc comme je vous dis, c'est un cours de test. J'espère le sortir à la fin du mois d'octobre. On verra comment ça se passe. Mais voilà, Lucarne. Je vous le remontrerai quand il sortira. Donc je pense que ce sera mon prochain épisode en français. On verra. Du coup, c'est tous les projets que j'ai terminés. Ça fait quand même beaucoup. Et vous allez voir...
que... Alors, j'ai 4 en cours et je crois que vous n'avez vu aucun. Ouais. Vous n'avez vu aucun de ces en cours. Je vais commencer avec un cours que je peux vous montrer, pas trop vous montrer. C'est un test en fait que je suis en train de faire pour l'ERG de Fibertales, donc qui est une. Elle a un podcast, elle est danoise, elle a un podcast qui est très très sympa en anglais sur YouTube. Si vous comprenez l'anglais et que vous êtes intéressé, elle est vraiment, elle a vraiment un podcast qui est très agréable à regarder. Et elle fait des. Elle est créatrice de modèles aussi. Elle fait surtout des pulls. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a en fait deux de mes encours, c'est j'ai son test et j'ai un autre de ses pulls que je me suis enfin décidée à faire. Mais voilà, elle a récemment fini un cardigan, un gilet en fait un peu boxy, court, en col V avec des points texturés, des détails texturés que je trouve vraiment très joli. Elle le porte. Donc c'est pas son dernier épisode, c'est l'épisode d'avant. Elle a aussi posté sur Instagram. Je trouvais vraiment très jolie. Du coup, quand elle a appelé au test, j'ai fait ma psychopathe, comme d'hab, et je me suis jetée dessus en lui disant « Je veux faire !»« Moi, je veux !» Et donc, comme elle est très gentille, c'est mon amie, elle m'a acceptée, gracieusement. Et du coup, je suis en train de tester pour elle... C'est un cardigan qui se tricote en partie, tout est cousu. On commence par tricoter le dos, les deux devants, les manches, enfin vous faites dans l'ordre que vous voulez, mais bon, on fait le dos, les deux devants, les manches, la boîte de boutonnage, parce que la boîte de boutonnage aussi est cousue, et après on coud le tout. Alors, en fait, on coud parce que, alors je vous montre, j'ai fini le dos, donc ça c'est le dos, on il y a besoin d'une structure particulière au niveau. Alors, c'est un. Épaule tombante, drop shoulders. Disons que la manchure va être là. Et en fait, il y a un point. Je m'en vite fait, hop, voilà. C'est une espèce de torsade qui est sur bah, les côtés, en dessous les bras, et qui remonte là, comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que. Ça rend la maille lisière assez lâche. Et en fait, si on relevait des mailles pour tricoter les manches, les manches sont tricotées en rond quand même, hein, mais si on les relevait pour les tricoter sans les coudre, en fait, elle a peur que ce serait très 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 lâche. Et je crois qu'il y a une testeuse qui va essayer. Mais moi, je le vois tout de suite, en fait. Quand je regarde... Alors du coup, je vais vous montrer l'envers. Quand je regarde là, vous voyez... C'est très lâche. Et en fait, si je m'amuse à relever des mailles là, vous voyez ce que ça va faire? Ça va me faire des gros trous. Donc, je comprends tout à fait pourquoi est-ce qu'elle veut que les manches soient tricotées en rond puis cousues sur la manchure. Parce que je pense que vraiment, surtout à cet endroit-là, il faut de la structure. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va faire. J'espère que ça va bien fonctionner. Il n'y a pas de raison parce que son modèle, elle est très jolie. Mais du coup, voilà, il y a aussi les côtes qui sont des côtes mousse, il me semble. Parce qu'il y a plusieurs types de côtes texturées. Il y a le garter rib, là, il y a le seed rib, enfin, il y a plein de trucs. Il me semble que celle-ci, c'est les côtes mousse. Bref, c'est très très joli. Et donc, j'ai fait le dos. J'ai mis mes mailles des épaules en attente pour faire un rabat à 3 aiguilles. Alors on peut rabattre et coudre aussi, mais moi les coutures des épaules, je n'arrive pas. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'en ai parlé en anglais, les coutures des épaules pour moi c'est infaisable parce que on se retrouve avec une bordure qui n'est pas du tout nette en fait, et du coup je ne vois pas quelle V prendre, je n'y arrive pas. Et ça me fait toujours des coutures aux épaules qui sont très inégales et pas jolie et ça me fait des épaisseurs bizarres à certains endroits et pas à d'autres. Du coup, j'ai décrété que je ne coudrai plus les épaules et que je ferai toujours des rabats à 3 aiguilles. Et que s'il y a des rabats pour former l'épaule, que je ferai des rangs raccourcis à la place. Voilà. Du coup, moi j'ai fait le dos et j'ai presque fini les deux devants puisque j'ai décidé de tricoter les deux devants.
au filet tout en mêlée. J'ai décidé de tricoter les deux devants en même temps. Bon, flûte, hein. J'ai décidé de tricoter les deux devants en même temps. J'aime pas tricoter en rond en même temps. Dans les chaussettes, les deux en même temps. Les manches, les deux en même temps, si elles sont en rond. Je n'aime pas ça. Je trouve que ça utilise... Que le faire le Magic Loop avec deux... Bon, du coup, je dis ça et là, c'est n'importe quoi. Mais je trouve que faire le Magic Loop avec deux trucs en même temps... Ça utilise beaucoup de câbles, c'est pas très confortable, enfin j'aime pas. En revanche, quand je peux tricoter, qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux là? Quand je peux tricoter à plat deux choses qui doivent être pareilles ou symétriques, j'aime bien parce que comme ça j'ai l'impression que je gagne du temps. Ce qui n'est pas vrai, mais c'est une impression. Donc voilà, j'ai fait les deux devants, ils sont presque finis, j'ai juste, c'est rigolo, j'ai juste à faire les rangs raccourcis pour le dos, pour les épaules, pardon, et j'aurai fini mes deux devants. Je vais les coudre, enfin les, du coup faire, je vais pas les coudre, je vais faire un rabat à trois aiguilles pour les épaules, coudre les côtés, et après j'ai pas encore décidé si je faisais les manches ou la patte de boutonnage. La patte de boutonnage est texturée. Donc je vous ai dit que c'était un V. Oui, je m'en mêle les pinceaux. C'est un V. Voilà. Okay. On voit rien, mais bon, voilà, il y a une... Voilà, c'est un col en V. La patte de boutonnage est texturée aussi. Je pense que je vais faire une manche, la patte de boutonnage et une manche. Ça m'évitera la catastrophe des manches. Même si du coup les manches vont être relativement courtes, parce que les manches sont tricotées en rond, du haut vers le bas, et du coup comme c'est un drop shoulder, ça a commencé là, du coup ça va être assez rapide, je pense. Donc c'est le cardigan fier, qui veut dire plume en danois, du coup, et voilà, j'ai vraiment hâte de vous le montrer fini, parce que vraiment c'est ce point texturé là, avec ses côtes, c'est très joli, et je vois très bien comment je vais porter ce cardigan. J'ai pas beaucoup de cardigans, disons simples, qui iraient facilement avec pas mal de mes tenues. J'ai des cardigans texturés, des trucs avec des formes un peu improbables, mais un cardigan très portable, avec quand même un petit peu d'intérêt de texture, j'en ai pas. Et du coup, là, ça va vraiment remplir un trou dans ma garde-robe. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de le tricoter dans un gris. Alors j'utilise l'ergue, elle utilise une laine, je crois que c'est huist wool, donc c'est une laine un peu rustique, elle est comme moi, elle est très laine rustique, et c'est vraiment très joli. Il y a un effet un petit peu aneps tweed de Négal dans son modèle. Il est écru beige avec des petits points noirs, du coup c'est... Ça a l'air d'être une très jolie laine. C'est une marque qui était au Festival d'Édimbourg. Et je suis très curieuse de... J'aimerais bien la tester. Mais c'est des petites productions. Du coup, ils n'ont plus exactement cette laine qu'elle a utilisée. Mais bon, bref. Elle a utilisé une laine rustique. Et je sais pas pourquoi. Moi, je n'avais pas envie. Je sais pas. Je voyais ce cardigan, je le voyais très bien dans une laine un peu plus... Pas super wash, ce que j'ai. Enfin. Je préfère quand mes pulls ne sont pas en laine super wash. Question de préférence. Surtout quand c'est quelque chose de texturé et que je vais porter beaucoup. Je préfère. Mais que ce soit un fil un peu plus lisse, un peu plus. Pas rustique en fait. Je sais pas pourquoi. Je voyais très très bien ce cardigan dans une laine douce, facile, fluide, voilà. Et non pas que je trouve que les laines rustiques ne soient ni douces ni faciles, mais je sais pas, là j'avais envie d'un fil lisse. Essayer de pas partir dans des explications quand il n'y en a pas besoin, en vrai. Donc j'ai décidé que je voulais tester Albertine de Dererum Natura, donc qui est leur laine peignée. Donc Dererum Natura, ils sont très connus pour leur laine cardée, donc Ulysse, Lya, Cyrano, qui ont une texture gonflante, un peu plus sèche. Mais
ils font des fils peignés, donc c'est Albertine qui est la version figurine, et Pénélope qui est la version déca. Et donc, des fils peignés, si vous n'avez pas, ça veut dire que les fibres sont brossées et toutes tirées dans un sens, donc c'est et peignées en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très lisse. Là par exemple, mes cheveux, ils sont toujours cardés parce que je ne suis pas capable de... de me brosser les cheveux. Mais admettons que je me brosse bien les cheveux tout lisse, tout net, ce serait peigné. Donc voilà, c'est un peu le même principe avec, avec la laine. Et du coup, les fils peignés ont tendance à être bien plus lisses, un peu plus de drapé. Voilà. Et là, en plus, ils ont récemment refait la gamme en rajoutant 10% de soie mulberry. Donc c'est 90% mérino d'Arles bio. Alors qu'il vient de Provence du coup, parce que oui, c'est un mérino d'Arles, donc c'est juste parce que dans mon dernier épisode en anglais, je suis partie dans un délire. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que les mérino d'Arles... Enfin, c'était pas que j'étais persuadée, c'est juste que je me suis emmêlée les pinceaux et que j'ai dit un truc du style... moi j'ai jamais vu de mouton à Arles, c'est un fait, hein, mais... C'est pas parce que c'est des mérinos d'Arles qui doivent être à Arles. Mais là, pour le coup, il précise bien que la Provence, que la provenance, c'est la Provence. Voilà. Et la soie mulberry, qui est de Chine, et je sais jamais laquelle des deux c'est. Alors, il y a la soie Tessa et la soie mulberry, et en fait, la différence entre les deux, c'est toujours les verres, hein, c'est toujours les verres à soie. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est nourrie, et du coup, il me semble que c'est mulberry. Il me semble que la soie mulberry, c'est parce que les vers sont nourris qu'avec une plante spécifique et que la soie tussa, c'est parce qu'ils sont au contraire plus sauvages. Ou alors c'est l'inverse, je ne sais pas. Bref, il y a des vers qui sont nourris avec une plante spécifique, ce qui donne une soie plus lisse et nette, et une autre soie où les vers ils mangent ce qu'ils veulent. Du coup, la soie est un peu moins brillante. Et un peu plus rustique, ça n'a aucun sens pour de la soie, mais bon, vous voyez un petit peu l'idée. Et je ne sais jamais laquelle est laquelle, j'oublie toujours. Mais bon, bref. Un des deux, qui vient de Chine, du coup. En même temps, la soie, voilà. Mais bon, j'avais envie de la tester parce que ça m'intriguait beaucoup. Ça reste non super wash. Et c'est un gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Donc c'est un fil qui est doux, mais qui a quand même une texture hyper intéressante, qui est très rond, qui est très retordu. Je pense que pour les torsades, ça doit être un plaisir. Et il me fait un peu penser à la Queen's & Co Finch. Donc je pense que pour du jacquard, ce serait sympa aussi. Même si les laines cardées de Herero Natura, pour du jacquard, c'est quand même mieux. Mais si... pour quelque raison que ce soit, vous trouvez que les laines Ulysse et tout ça sont un peu rêches, ça marchera aussi. Parce que, enfin voilà, il y a la soie, mais c'est pas... C'est un peu brillant, mais ça reste subtil. Il y a quand même un toucher qui est hyper intéressant. Et la définition de point est super. Alors, le truc, j'ai pas besoin de le bloquer, quoi. C'est vraiment très très joli. Et je vous montre voilà, les côtes texturées. Je suis vraiment... Reviens ici, aiguille. Je suis vraiment très 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 contente de cette découverte parce que ça a un rendu sublime. Et le coloris, c'est crépuscule. Voilà, c'est un fil qui est très rond. Ben, c'est très contente de cette découverte. C'est pas le type de laine que je préfère, mais pour le coup, je pense que c'est un entre-deux qui est très intéressant parce que il a le côté lisse, c'est facile et très très doux. Tout en étant non super wash et quand même avec une texture intéressante. Voilà. Et... J'avais commandé 6 pelotes, donc j'avais 1200 mètres. Je fais la taille M parce que je voulais celui dans des anses et c'était beaucoup moins que ce qu'elle avait calculé, mais je pense que c'est bon parce que là il me reste 2 pelotes. Il me reste ça pour finir les devants et je pense qu'avec ça j'arriverai aussi à faire la pâte de boutonnage. Et après j'ai 2 pelotes, donc une pour chaque manche. Je pense que je serai large et que j'aurai même des restes.
Et de toute façon, j'habite à côté de Toulouse. Donc, quand je commande chez Derrière Homme Natura, c'est simple, je commande et le lendemain, ah, j'ai la laine. J'ai cette chance-là. Donc, c'est chouette. Mais voilà. Je tricote l'échantillon et de 23 mailles. Donc, mais ah. L'échantillon est à 23 mailles et vous voyez, c'est quand même une laine qui est hyper gonflante. Donc je pense que si vous faites les boxy, les ténia, parce que oui, c'est ténia, le pull de Caitlin Hunter avec la dentelle qu'il faut vraiment que je fasse parce que j'ai vu la version de Leila Legram et il est vraiment super joli. Et j'ai de la laine vilaine en stock depuis très longtemps pour le faire et j'ai vraiment envie de le faire. Bon, bref. Tout le monde l'appelle Tegna. Moi aussi, j'aimerais bien que ce soit Tegna parce que Tegna, ça me fait vraiment penser au vert. Mais pour le coup, c'est Tegna. Tous ces pulls qui m'ont. Mon Tolosa, mon pull. Mon patron de pull. Tous ces pulls qui ont un échantillon lâche de 22 mailles. Là, je pense que c'est même très facile de tricoter à un patron qui demande de la sport avec de la Albertine parce qu'il est vraiment. Il est vraiment très gonflant et mon échantillon pour vous montrer. Parce que j'ai fait un joli échantillon, voilà, donc ce serait dommage de ne pas vous montrer, voilà. Petit échantillon qui a du drapé, qui est doux, qui est magnifique. Voilà. Des échantillons en losange. Et comme on m'a posé la question, je fais comme ça parce que je suis paresseuse. Et du coup, je monte très peu de mailles, j'augmente et après je referme. Et du coup, ça me permet d'avoir ici la largeur nécessaire pour calculer ce que j'ai comme maille sur 10 cm et ici la hauteur. Je peux me permettre de faire ça parce que j'ai pas beaucoup de différence entre quand je tricote sur une petite surface comme ça ou quand je tricote vraiment sur une plus grande surface. J'ai pas de différence sur mon échantillon. Il y a des gens pour qui c'est très différent, qui ont besoin de faire des grands échantillons. Moi pour le coup non, donc j'ai cette chance-là, donc je me permets de faire des petits échantillons de paresseuse. Voilà. Il y a aussi la méthode de faire un échantillon en L. Donc vous montez un tout petit peu de maille, vous tricotez, après vous rajoutez plein de mailles d'un côté, et comme ça vous avez un truc en L. En L, comme ça. Et ça vous permet pareil d'avoir un espace en largeur et un espace en hauteur. Mais en losange, vraiment, c'est très peu de. C'est très économique. La technique de la paresse. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Mais c'est crépuscule, je l'ai dit. Voilà. J'aimerais bien que Derrière Homme Natura fasse une laine à chaussettes. Non. Moi, j'aimerais bien. Quoique. Elle est trop gonflante, celle-ci. Parce que la soie, c'est solide, hein, quand même. Mais celle-ci, je trouve qu'elle est un peu trop élastique pour. Très élastique, comment regarder? Pour faire des chaussettes. J'ai peur que. Enfin, c'est ridicule parce qu'il faut l'élasticité pour les chaussettes. Mais c'est juste que je trouve que le fil est un peu trop épais, un peu trop pulpeux pour faire des chaussettes. Je sais pas, c'est moi, hein. S'il faut, ça marcherait très bien. Mais bon, j'aimerais bien qu'il y ait un mélange. Pas forcément du nylon hein, parce que il y a des laines rustiques qui sont suffisamment fortes pour à mon goût et à mon sens faire des chaussettes ou peut-être avec du mohair aussi. Bon, j'ai re-emmêlé mes pelotes. Mais voilà, donc je suis en train de le tester. La fin du test, c'est pour la fin du mois. Donc je mets un petit coup de pression là pour me finir. Je sais pas quand est-ce qu'elle va le publier, mais je vous en parlerai. Voilà, comme je vous dis, j'ai vraiment hâte de le porter parce que je pense que ça va aller très bien dans ma garde-robe. Je sais exactement comment je vais le photographier quand il sera fini, avec quoi je vais le porter. Voilà, c'était mon premier en cours sur lequel je devais pas beaucoup vous le montrer parce que c'est un test à mi-secret, mais j'ai quand même réussi à parler énormément de temps. Bref, ça va être un épisode long. Ça va être long. Mon prochain en cours. Je suis curieuse de savoir s'il y a beaucoup de gens qui regardent les épisodes coupés, en fait, s'ils regardent un bout et puis ils finissent plus tard. Est-ce que vous faites ça? Parce que des fois, c'est vrai que les épisodes qui font plus d'1 heure,
Bon, moi, je fais rien de ma vie, donc j'ai le temps. Mais je me demande en fait si les gens reviennent après pour finir un épisode quand ils n'ont pas eu le temps de. Je me demande comment vous regardez les podcasts. Bref. Mon deuxième en cours, c'est bah, du coup l'autre modèle de Fiber Tales que je fais. C'est un pull sur lequel j'avais craqué quand elle l'avait sorti. Et il est vraiment très beau. Et j'ai très envie de le faire depuis longtemps. Et il y a 2 semaines, j'étais un peu frustrée avec mon étoile lucarne qui m'a causé quelques soucis de démarrage. Mais. Et du coup, j'avais envie de tricoter quelque chose d'autre. Et l'ergoche, elle est en train de revisiter ce modèle, de faire de nouvelles tailles et de le retester. Et du coup, elle en a reparlé et ça m'a rappelé à quel point j'avais envie de le faire. Je sais que quand je filme, mon téléphone, il fait des flashs. Je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un sait pourquoi ça fait ça. Ça reste à la fin, là il y en a eu un, ça reste à la fin et je sais pas ce que c'est et ça m'ennuie, mais bon, je sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée, dites-moi. Bref, du coup elle en a reparlé et ça m'a donné envie de vraiment. Allez, c'est bon, je le fais. Surtout parce que ça va être quelque chose de très sympa pour l'automne. Et c'est le pull Roture. Même elle ne sait pas comment prononcer puisque c'est un mot des îles Féroé. Et donc, vous voyez, j'ai fini le pull, il me reste que les manches à faire. Donc c'est un pull en déca, top down, tout en rond avec ce yoke en brioche. Et un petit peu de jacquard ici. Et donc en fait, la brioche avec les augmentations du yoke donne cet effet un peu de racine. Je trouve vraiment canon, je trouve très très joli. Et donc ensuite, vous avez des détails, vous avez un point, comment on dit en français, c'est le linen stitch, est-ce qu'on dit point de lin? Le facteur. Est-ce qu'on dit point de lin? Je sais pas. Bref. C'est celui où on glisse des mailles avec le fil devant, qui est vraiment très solide et qui est intéressant, qui est un peu invisible dans ma laine, mais ah non quand même. Vous voyez. J'ai adoré le tricoter. J'ai commencé à le faire et j'aurais pu tout faire d'un coup. Parce que si je m'étais pas retenue à me forcer à travailler sur d'autres projets qui avaient un petit peu plus des impératifs de temps. Parce que c'était tellement addictif. Moi, la brioche, c'est un petit peu oui mais non. j'en ai pas fait beaucoup, parce que quand j'en ai fait la première fois, j'ai fait un truc très simple qui m'a un peu ennuyée. Facteur. Donc je disais que c'était vraiment... j'avais commencé la brioche par quelque chose de très simple qui m'avait un peu... pas forcément ennuyée, mais juste pas suffisamment accrochée pour que j'ai envie d'en faire énormément. Et mais là, du coup, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait le yoke hyper rapidement. C'était vraiment très sympa. Et alors, j'ai eu quelques petites hésitations sur la laine. En fait, je voulais utiliser... En laine principale, donc ceci, qui est de la Filcolana, de la Gotland. Donc les moutons Gotland, c'est des moutons scandinaves qui sont argentés. Et du coup, cette couleur, c'est la perfection. Donc c'est ce rouille vraiment très très beau, qui est en rupture de stock absolument partout. C'est le Gotland Pelsuld. De Filcolana. En fait, Fiber Tales, l'ergue, elle a utilisé la Gotland aussi de ses parents. Ses parents ont une ferme avec des moutons. Et c'est ça qu'elle avait utilisé pour son modèle. Du coup, je me suis dit, bah, très bien, j'ai envie de tester de la Gotland depuis longtemps. Allons-y. Donc c'est un fil qui est rustique, hein, et qui est du côté vraiment laine très chaude, laine à l'eau. Qui pique un peu peut-être. Moi je trouve pas. En fait,
on sent les fibres au contact, mais en fait, quand on le laisse, je pourrais le porter comme ça, hein. En fait, quand on le laisse, pour moi, ça s'en va. Ça se fond un petit peu et du coup, je ne le sens plus après. Mais bon, si pour vous le BFL c'est déjà rustique, clairement, non, c'est pas l'idée. Hein. Mais c'est une laine qui est très intéressante parce qu'elle est très légère. Et alors là, il y a 270 mètres sur 100 grammes. C'est de la déca, mais elle est quand même fine, quoi. Donc elle va gonfler au blocage. Et moi, c'était juste cette couleur que je voulais en coloris principal pour ce pull parce que. Elle est parfaite. Et le fait que la base, du coup, soit un peu argentée, ça donne une profondeur, vraiment quelque chose de très très délicat, très riche. J'aime beaucoup. Et j'avais au départ prévu de tricoter, du coup, avec en couleur contrastante du blanc, un crème de Ulcentrum, donc qui est une laine suédoise. Et j'avais commencé comme ça, et j'étais pas convaincue, je trouvais pas ça joli, en fait, de une. Et surtout, j'avais un petit problème, c'est que la Ulcentrum, qui est censée être une sport, était beaucoup plus épaisse que ça, qui est censée être une déca. L'hélène rustique, merci. Mais du coup, j'avais mon blanc là en couleur contrastante. Et du coup, ça faisait que, bon, vous savez, la brioche, c'est réversible. Et du coup, ça faisait qu'on voyait que le blanc. C'est-à-dire, même à ces endroits-là, la brioche, on voit toujours un peu l'autre couleur au centre. Des lignes, là. Mais on voyait que ça, là. On voyait que le blanc, ça marchait pas du tout, c'était pas joli. Et au final, ça... Le blanc, le crème et ça, ça faisait très... très pumpkin spice, là. Mais du coup, ça... Non. Du coup, j'étais un petit peu... Parce que j'avais prévu ça comme ça depuis très longtemps. Je sais pas. Et j'avais des restes de Tuku Wool Fingering. Donc, qui est de la laine finlandaise, Tuku Wool, dans le coloris Uyo. Avec lequel j'avais tricoté des chaussettes. Et j'avais des restes. Et... Qui l'eût cru que mauve et rouille, ça marchait. C'est assez... Je sais pas... Comment je me suis décidée à essayer, parce que vraiment, dans l'idée, c'était pas évident. Mais et au final, je trouve que c'est vraiment intéressant et ça marche bien. C'est plus subtil, parce que c'est ça, en fait. Je me suis rendu compte que le contraste très fort du blanc avec le rouille, ça me plaisait pas. Je voulais quelque chose d'un peu plus délicat, un peu moins tape à l'œil. Et je trouve que ça rend vraiment bien. C'est vraiment joli. C'est une espèce de mauve un peu grisé. Et je suis très contente. Parce que ça a bien fonctionné pour le coup. Alors que c'est de la fingering, mais en fait, quand on regarde les deux fils, quasiment la même épaisseur. Donc les deux vont bien gonfler. Ils ont très bien fonctionné ensemble pour la brioche et pour le jacquard. C'est vraiment le jacquard sans prise de tête. Hein, parce que les mailles, elles restent où elles veulent. Le truc s'accroche. Et ne bouge pas. C'est pour ça que le jacquard c'est tellement mieux, tellement plus facile en fait, avec des laines rustiques. C'est pas que. Enfin, le rendu avec des laines superwash est joli, mais c'est plus difficile parce que les mailles vont glisser, c'est plus facile d'avoir une mauvaise tension. Alors que là, on fait ce qu'on veut, la maille elle est là, elle reste. Hein. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc les points de jacquard, comme vous voyez, qui donnent un peu l'impression que c'est la fin des branches de la brioche, et c'est très malin aussi parce que du coup la brioche qui a une texture très épaisse, très moelleuse, du coup le jacquard permet une espèce de transition vers le jersey simple parce que ça reste quand même un peu plus épais, du coup ça fait une transition de texture aussi, il y a un col roulé, et j'en suis très contente. Et j'ai fini le corps il y a quelques jours, et donc maintenant il faut que je passe aux manches. Et j'aurai un pull absolument parfait pour l'automne. Je trouve très joli. Et alors j'avais lavé ça parce que quelqu'un m'avait dit fais attention, moi j'ai utilisé pour des moufles avec du blanc et ça a beaucoup dégorgé et la peau va se retrouver avec des moufles jaunes. Et du coup j'ai eu un peu peur et je me suis dit ok je vais les laver. J'ai lavé tous mes échos et pour le coup moi j'ai eu aucun résidu de couleur dans le bain.
en fait, rien du tout n'est parti. Du coup, j'étais rassurée, mais je suis quand même contente de l'avoir fait, et c'est vrai que il faudrait que ce soit un réflexe, en fait, que surtout pour des couleurs comme ça, quoi, que je fasse attention, parce que sinon, ça m'aurait fait un truc tout jaune, là, ça aurait pas été terrible. Mais, du coup, ça va, tout va bien. Et, voilà. Je voulais, du coup, en parler, parce que... la dernière fois, j'ai fait un sous-entendu sur les patrons de Drops. Il y a des gens qui m'ont posé des questions dans mes commentaires, et c'est vrai que j'aurais dû le dire, parce que j'en ai parlé en anglais il y a longtemps. Mais c'est vrai que j'aurais pas dû faire juste un sous-entendu. En fait, je vais en parler parce que c'est lié, vous allez voir. Drops, sur ses collections de patrons, a une fâcheuse tendance à copier des designers indépendants. De façon vraiment sans honte et flagrante. C'est un truc... ça avait fait beaucoup de bruit il y a quelques temps parce qu'ils avaient vraiment copié un short. Espèce de sous-vêtement short, en fait. Rigolo. Et là, il y a quelques mois, leur nouvelle collection, mais c'était... aberrant, il y a quelque chose qui est du Steven West copié-collé. Il y a aussi le, vous savez les modèles de Jacquard, le Babble Hat avec les petits moutons, le bonnet. Mais ils ont fait un pull comme ça, mais vraiment le même modèle de Jacquard. Hop, hop. Et il y a notamment un pull avec un yoke en brioche qui ressemble fâcheusement au modèle de Lerg. Et je trouve ça vraiment pas terrible, surtout que du coup, quand les gens leur font la remarque, ils répondent pas. Je trouve ça petit, en fait, de la part d'une si grande compagnie, on dirait un truc de contrebande vraiment nul. Je trouve ça vraiment, vraiment limite. Et je voulais en parler parce que je tricote beaucoup de drops, parce que j'en ai énormément dans mon stash. Et oui, bah quand j'avais appris cette histoire, j'étais vraiment déçue parce que je trouve que Drop, c'est quand même... Alors, le fait que ce soit si peu cher, il y a sans doute d'autres problèmes éthiques au niveau de la production, mais quand même, c'est des laines qui sont tellement abordables et des laines naturelles, et c'est tellement pratique pour des nouveaux tricoteurs, et c'est tellement bien, on peut avoir une quantité pull tellement abordable, c'est... Je trouve que c'est une marque qui pourrait être quelque chose de très très bénéfique pour les tricoteurs parce que oui, il y a d'autres marques de laine qui sont pas chères, mais pas à ce point-là, et quand on débute, et puis même quand on débute pas, hein, moi je peux pas me permettre d'avoir des quantités de pulls, des fois ça monte vite. Et du coup j'étais vraiment dessus parce que j'ai plus envie d'acheter de la drops, et du coup j'achète plus de drops. J'en ai énormément dans mon stash, j'ai des quantités pulls, j'utilise ce que j'ai dans mon stash parce que j'aime pas gâcher, je trouve que c'est pire, et j'aime cette laine, et j'ai attribué tout ça à des modèles de pulls que j'ai vraiment envie de faire, donc vous les verrez au fur et à mesure. Mais c'est vrai que du coup ça me met dans une position où publiquement je tricote beaucoup de drops, mais en même temps bah, je suis une designer aussi, et je cautionne pas du tout ce qu'ils font, je trouve ça vraiment lamentable, et du coup, j'avais envie de le dire pour que vous soyez au courant si jamais vous n'êtes pas au courant. Après, chacun fait bien comme il veut. Moi, personnellement, ça m'embête et du coup, j'ai plus envie d'acheter de la drop. Et j'essaie de trouver d'autres solutions parce que... Pour vous en parler aussi, parce que... c'est désespérément de trouver une alternative d'une compagnie qui n'est pas ce genre de pratique, en fait. Parce que... oui, c'est bien de tricoter des laines artisanales qui respectent les producteurs et tout ça, mais du coup ça a un certain coût, mais le problème c'est que on peut pas tous le permettre, et du coup j'aimerais bien trouver une alternative. Il faut que j'essaie, notamment Fonti et Langarde, que je n'ai jamais testé. Ça peut être une idée, après c'est un peu plus cher, mais... Mais voilà, je voulais juste en parler parce que du coup, vu que je tricote Rossure qui a été pas aussi flagrant que le Steven West et les moutons, mais c'est quand même... Enfin, voilà, quand on sait qu'ils ont l'habitude de le faire,
Du coup, quand on regarde leur collection, ça fait... C'est vraiment... Essayer de le cacher, au moins, quoi. Mais non, c'est ça, le truc, c'est qu'ils essaient même pas de le faire en douce, c'est tellement flagrant, c'est ridicule. On sent qu'ils s'en fichent, qu'ils peuvent se le permettre, parce que c'est une si grosse compagnie que... Compagnie. Entreprise, pourquoi je dis compagnie, comme ça? Compagnie! C'est une si grosse entreprise qu'ils ils s'en moquent, en fait, de l'opinion des gens, parce que... Je pense qu'ils ont un certain monopole en Europe. On n'a pas droit à Netflix parce que voilà. Et du coup, ils s'en fichent, quoi. Ils savent qu'il y a toujours des gens qui n'auront pas le choix ou qui seront pas au courant ou qui. Ben... C'est de la bonne laine. C'est dommage, quoi. Et enfin, voilà. J'ai juste envie de te le dire plus clairement que mon sous-entendu lâche de la dernière fois. Mais voilà. Juste que vous sachiez que. On donne de l'argent à Drops. En plus, apparemment, ils ont des pratiques pas très sympas avec les boutiques. Ils les forcent à faire des promotions tout le temps, quitte à ce que ce soit dans les... quitte à ce que ça les fasse vendre à perte, en fait. Donc, apparemment, de tous les côtés, ils n'ont pas des pratiques très sympas. Voilà. Donc, le Rotur, qui sera peut-être fini bientôt, on verra ce que j'ai dit. Des priorités. Mon Dieu, cet épisode va durer 20 ans. Mon prochain en cours, il est là. C'est un. J'ai mes deux autres en cours, ce sont des patrons, des nouveaux patrons sur lesquels je suis en train de travailler. Et le premier, ce sont les chaussettes en jacquard. Ça y est, c'est la saison des chaussettes en jacquard. On repart. Et voilà, donc ce sont les chaussettes Aliénor. Donc, qui ont ce motif un peu floral, un peu baroque, art déco, je ne sais quoi. Je suis toujours nulle pour ces espèces de classifications. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais voilà, vous voyez l'idée. Donc, ce sont des chaussettes en jacquard avec un motif qui est pas compliqué, mais où il faut quand même croiser les fils là. Sur des rangs consécutifs. Et du coup, c'est un peu. Voilà. Je pense pas que ça peut être un premier projet en jacquard. Si vous avez l'habitude du jacquard, tout à fait. Il n'y a pas de souci, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Mais juste, voilà. Disons des débutants. Comment dire? Des débutants téméraires. Voilà. Donc, ça, c'est le motif de devant. Et sur la semelle, j'ai fait un petit motif différent parce que. Quand on a des motifs qui sont assez larges comme ça, je trouve que c'est pas très joli quand c'est personnel. Hein. J'aime pas trop quand c'est le même motif sur la semelle aussi. Du coup, j'ai fait ces bandes pour contraster. Donc, les chaussettes Aliénor, tricotées en tuck wool fingering, du coup aussi. Et donc, qui est une laine 100% finlandaise, 100% laine finlandaise, non superwash, rustique. Qui est un trésor pour le jacquard et qui est plutôt douce. Hein. Voilà, c'est. Si vous avez envie d'essayer une laine qui est vraiment impeccable pour le jacquard, mais que tout ce qui est Shetland, la Wolfsgarn, ça vous embête, ça c'est un peu plus doux. Ils ont des échevaux de 50 grammes, donc c'est pratique pour le jacquard. Et ils ont une version fil à chaussettes, donc il y a du nylon, mais en fait, j'ai pas voulu la prendre parce que elle est un peu plus épaisse. Et alors, les chaussettes en jacquard, moi je fais des motifs sur 72 mailles, 70, mais là ça marchait en 72. Et du coup, même en tricotant avec l'échantillon le plus petit, sur 2 mm, ça me fait quand même des chaussettes confortables, des chaussettes que je peux mettre dans des bottes ou des trucs comme ça, qui est le but. Hein. Mais. Disons que si j'avais pris une laine plus épaisse, ça m'aurait fait des chaussettes trop grandes, clairement, pour mon pied. J'ai un pied assez fin et osseux. Comme tout le monde a des pieds osseux. Mais bon, bref. Mais voilà, donc je sais que la fingering, même sans le nylon, elle tient les chaussettes, il n'y a pas de problème. Surtout des chaussettes en jacquard, en fait, des chaussettes en jacquard, vous avez une double épaisseur. Donc pour le coup, si vous passez à travers. Double épaisseur de laine rustique très forte. Faut le faire exprès. Franchement. Moi, je suis pas dure en plus sur mes chaussettes. Donc, vraiment, j'ai aucun souci avec ça.
Mais voilà, donc j'ai une chaussette de fini. Je suis en train de faire la deuxième. J'ai dans mes patrons de chaussettes jacquard, talon à rang raccourci à l'allemande, parce que c'est facile. Et voilà, sur la deuxième, je viens juste de faire le talon et je vais commencer à faire le pied. Voilà. Donc les coloris, ça c'est tunis, donc il y a un bleu nuit très foncé. Et le jaune, jaune ocre, olive, c'est Valo, Valo. Et je suis fan de cette association de couleurs. Et en fait, sans faire exprès, je pense que tout le monde a vu la couverture du dernier pom-pom. Sans faire exprès, c'est le combo parfait, on est d'accord. Pour ce pull, vous savez, c'est ce pull XL. XL. Avec le motif en jacquard de lune. C'est parfait. C'est exactement ça. J'ai pas très envie de. Enfin, oui, je le trouve très très joli. Je suis pas sûre que je le porterai. Et aussi, j'ai la flemme parce qu'il y a plein de. C'est tout. Trop plein de trucs. Non. c'est idiot parce que je vais faire des motifs, des pulls en ferraille, donc qui sont très minutieux aussi. Je sais pas. Je le trouve magnifique, hein, c'est juste que je me vois pas le faire pour l'instant. Peut-être que dans 2 mois, j'aurais changé d'avis et j'en aurais fait 15, mais voilà, pour l'instant, non. Donc voilà, la sucre moule, bah, comme je vous ai dit, pour le jacquard, c'est hyper approprié, tout se passe très bien. Elles sont en train d'être testées. Et elles sortiront, je pense, début octobre, celles-ci. Voilà. Rien de plus à dire, ce sont des chaussettes, en jacquard. Et mon dernier en cours, sur lequel j'ai peur que je vais devoir. Sur lequel j'ai peur, je vais devoir. Bref, sur lequel je vais devoir parler longtemps. J'en ai peur. C'est. Un nouveau pull, un nouveau design de pull, mon prochain pull, patron de pull. J'ai plein d'idées de patron de pull. Plein, plein, plein. Et il faut vraiment que je m'y mette. Du coup, je m'y mets. Le premier. Donc, ça va être un entracle. Ça va être un pull raglan avec du jacquard en bas, en fait, sur le corps. Et donc, j'ai commencé mon raglan. Et j'ai fait ma première partie du raglan. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai fait des raglans un peu plus épais parce que je trouvais que ça allait bien avec ma laine et avec l'esprit du pull. Et alors, par quoi commencer? Parce que je vais vous parler d'un truc et de la laine. Je sais pas par où commencer. Je vais vous parler du truc d'abord. Les pulls en raglan, en général, ils commencent, on les tricote à plat. On tricote le dos à plat un petit peu pour qu'il soit surélevé. C'est très bien. Ça fonctionne très très bien. Mais moi j'aime bien quand, surtout quand je fais un modèle qui est suffisamment simple pour que ce soit potentiellement le premier pull de quelqu'un. J'aime bien quand c'est en rond dès le début. En fait, quand tout est en rond et quand on le tricote, bah, que la finition du col pardon, soit faite. Que tout soit là, que ça ressemble à un pull. Je trouve que c'est très satisfaisant et c'est très motivant, je pense. Après, moi, j'aime bien aussi faire relever les mailles à la fin et faire la finition. Je trouve que c'est sympa aussi. J'aime bien les deux. Mais là, comme je vous dis, comme c'est un modèle que moi, je fais, j'avais envie que disons que la façon dont ça fonctionne soit transparente pour que bah, ce soit... clair et que bah, éventuellement ça vous permette de vous dire ah c'est sympa si vous aimez ce type de construction là sur ce type de raglan là vous dire ah c'est sympa bah, je vais prendre cette base là que vous puissiez prendre éventuellement mon patron et faire après ce que vous voulez avec juste que vous ayez la construction vous compreniez comment ça fonctionne etc. J'aime bien que mes patrons montrent comment les choses fonctionnent. Je sais pas si j'y arrive mais j'essaie. Et du coup, mon problème, bah le problème en fait, c'est que quand on tricote en rond dès le début, le raglan, bah, il commence pas dès le début. À l'arrière, si on fait des rangs raccourcis pour surélever le. Soit on fait pas de rangs raccourcis et du coup on a une encolure qui n'est pas relevée à l'arrière. Ce qui est le modèle du Flax par exemple, de Tin Can Knits, qui est un pull basique, un patron gratuit sur Ravelry.
Moi, ça m'embête. J'aime bien qu'il y ait des rangs raccourcis ou quelque chose qui remonte le col à l'arrière parce que sinon, c'est vraiment assez désagréable, je trouve, quand le col tombe. Mais si vous tricotez en rond, donc des rangs raccourcis dans le dos, et ben le raglan, il commence pas là, il va être un peu décalé sur l'arrière. Vous allez avoir un espace en fait avec les rangs raccourcis où vous n'avez pas la ligne du raglan. C'est pas dramatique, hein. En plus ça permet au col à l'arrière de bien se positionner sur votre épaule, donc moi je trouve que c'est sympa aussi. Mais des fois c'est assez flagrant. Et là, surtout, j'avais envie d'avoir une ligne de raglan épaisse, donc là vous voyez, c'est 3 mailles. Et donc si ça s'était décalé à l'arrière, ça serait vu, ça m'aurait embêté, j'aurais pas aimé. Alors bien sûr, il est possible de faire des rangs raccourcis et les augmentations du raglan en même temps, à l'arrière et un petit peu au devant. Mais ben, encore une fois, c'est rien de compliqué, mais c'est juste que ça a le potentiel d'embrouiller, faire plusieurs choses en même temps. En fait, quand on fait des choses en même temps, la façon de l'écrire dans le patron, il y a deux manières. Soit on dit bah, vous faites ça et ça en même temps et débrouillez-vous. Soit on explique tout pas à pas. Et là, bah, ça fait des explications très longues, pas très intuitives. Et du coup, ça ne rend pas très clair le processus. Du coup, ça collait pas du tout avec mon idée de faire en sorte que quand on tricote le modèle, on comprenne ce qui se passe. Mais il y a une solution qui est très simple et quelque chose que j'aime bien, c'est bah, faire les rangs raccourcis sur les côtes. J'aime bien quand les côtes ont une forme. Par exemple, vous savez, les cardigans avec les cols châle. Souvent, c'est très épais là et puis après, ça descend comme ça parce qu'il y a des rangs raccourcis sur les côtes. J'aime bien cet effet-là. En plus, les rangs raccourcis sur les côtes, c'est souvent assez invisible, assez facile à cacher. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, ce pull sera en rond de A à Z, tout est en rond, tout va bien, et vous avez les rangs raccourcis sur le col. Je trouve que c'est sympa. Alors c'est un certain. Voilà. Pour le coup, ça colle vraiment avec l'aspect plus rustique des. Où sont mes raglans? Plus rustique des raglans épais. J'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande. Qui sont pas parfaits d'un côté, ils sont très invisibles d'un côté, pas parfaits de l'autre. Mais un, vu la laine que j'utilise, qui est une laine très rustique, ça se voit pas. Deux, ensuite j'ai fait un rang en vert à la fin des côtes parce que je trouve ça joli. Voilà. Donc du coup, ce col est surélevé dans les côtes. Et ça fait, voilà, ça donne ça. Je trouve ça sympa. Mon Dieu, je vais perdre les mailles au bout d'un moment. Bref. Donc ce pull, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un raglan, un peu boxy, à manches longues, avec du jacquard en bas. Voilà. J'utilise de la sport. Alors, j'utilise Moeke Yarns. Moeke. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire quelque chose? C'est ridicule. Moeke Yarns, donc, qui est de la laine de Roumanie, donc, que je n'avais jamais testée. Quelle absurdité, n'est-ce pas? On se dirait que ce serait évident. Mais bon, Yona, donc, qui. C'est Yona son nom? Oh, je ne sais plus. Qui vit au Danemark, il me semble, et qui est d'origine roumaine. En fait, a lancé cette marque pour un petit peu redorer le blason de la laine roumaine et en fait récupérer la laine des bergers autour de chez ses parents qui brûlaient la laine en fait. Il n'y a aucun intérêt à vendre de la laine, hein, surtout en Roumanie, ils n'ont rien à faire. Voilà, et du coup, recréer une laine. Traditionnelle, artisanale, et un petit peu voilà, redorer le blason de ce type de laine. Et ils ont récemment fait une campagne Ulule, une campagne de financement participatif, c'était Ulule, hein. Non, c'était Indiegogo, n'importe quoi. Campagne de financement participatif pour recréer en fait une station de lavement. De lavement. Station de lavage. De laine.
d'Hélène. Et éventuellement une filature, d'après ce que j'ai compris. Là où habitent ses parents. C'est à Biharia. Et c'est juste à côté de là où habite mon copain, en fait. C'est à une centaine de kilomètres. Ce qui fait 2 heures en voiture parce que là, on manie. Mais c'est juste à côté, donc c'est rigolo. Et voilà, donc ils ont, elle a plusieurs gammes de laine. Et celle que je voulais tester et qui est la plus facile à trouver, c'est Elena. Donc, qui est une laine single. Mais qui, comme vous voyez, est très très retordue. Et en fait, vous voyez, alors c'est plus ou moins selon les échevaux. J'ai 2 échevaux écrus parce que le jacquard va être comme ça. Mes échevaux écrus ont un retors qui est très inégal. Vous voyez, c'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment très texturé. L'écheveau n'est pas arrivé comme ça. Ça, c'est mon délire. Et en revanche, quand on regarde l'écheveau brun, c'est beaucoup plus régulier. Donc ça, vraiment, ça dépend des lots. Ça dépend des lots. Il y a aussi différentes épaisseurs. Souvent, on a des écheveaux de différentes tailles. Moi, je me suis débrouillée pour avoir 2 échevaux de 170 grammes, donc 410 mètres, et donc un écheveau de 50 pour la couleur contrastante. C'est vraiment un fil brut. En fait, on sent vraiment qu'on a le matériau brut. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de le mettre en pelote à la main. Parce que je trouvais que... En cake, c'est pas possible. Quand j'ai vu, en fait, à quel point le truc était irrégulier, je me suis dit, si je vais faire un cake, ça va être l'horreur. Et du coup, j'ai voulu vraiment le faire à la main pour découvrir le fil. Et c'est vraiment un processus qui est très intéressant. Il est un peu irrégulier. Il y a beaucoup de matière végétale à enlever. Enfin, beaucoup. Pas tant que ça en fait, je m'attendais à plus. La matière végétale à enlever, il y a certains endroits où il est filé de manière très curieuse et que j'ai dû enlever en fait parce que j'ai dû couper des bouts. Parce que vous voyez, il y a eu 3 endroits dans un gros écheveau comme ça où en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans le processus de filage, mais regardez, en fait, là vous avez des fils qui sont détachés du fil et en fait vous avez un retors qui est... Il y a un souci là. ça s'étire comme un élastique. Et du coup, j'avais 2-3 bouts comme ça que j'ai dû enlever parce que ça, sur mon pull, clairement, c'est mort. Hein. C'est pas possible. autre chose, c'est que quand ils sont arrivés, je suis pas très. Enfin, l'odeur de l'aniline, tout ça, moi j'adore. Mais en fait, là, je pense que c'était l'odeur de l'huile de filage. J'ai l'habitude de la Holzgarn qui est pleine d'huile de filage aussi, qui ne dérange pas, mais là c'était vraiment trop fort. Je sais pas, c'était peut-être moi aussi, j'ai un problème ce jour-là, je ne sais pas. Toujours dit que les échevaux sont arrivés, je les ai gardés à côté de moi sur le bureau pendant que je travaillais sur l'ordinateur, et j'ai mal à la tête. C'est pas possible. Du coup, je les ai lavés avant pour me débarrasser de l'odeur. Du coup, là maintenant c'est beaucoup mieux. Ça sent le mouton maintenant, ça sent un petit peu la lanoline, c'est parfait. Tout ce que je dis. A l'air absolument affreux. Mais c'est génial. En fait, je savais à quoi m'attendre. Je savais que j'allais avoir un matériel brut, quelque chose qui est vivant, qui demande à être découvert et à vraiment le travailler. Et c'est un processus qui est très intéressant. Et vraiment, je suis super contente d'avoir enfin essayé cette laine. Donc, comme je vous le dis, c'est un single. Mais c'est un single dans une laine qui est tellement solide et qui est tordue. Comme vous voyez, il est très tordu, donc du coup, il est très fort. Et disons que le truc est un gaza. Vous savez, moi, des fois, j'aime bien couper la laine comme ça. Là, je crois que je n'y arriverai pas. J'y arriverai pas. D'où l'idée d'en faire un pull. Parce que moi, les pulls en singles de Merino... Non. Déjà, je suis pas super fan des singles de Merino pour les châles. Je trouve ça très doux, machin, c'est bien. Mais pour un pull, vraiment, c'est pour moi, c'est bon. Mais là, le truc est incassable. Increvable, incassable. Et c'est vraiment hyper intéressant. Déjà, le mettre en pelote, c'était vraiment sympa de voir, ok, ça commence, est-ce que ça va rendre. Ça, il faut que je l'enlève. J'ai essayé d'enlever les petits bouts végétales.
C'est vraiment un processus qui est très naturel et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en le tricotant, bah, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu irrégulier, mais en même temps, c'est joli, quoi. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est vraiment quelque chose. Pour le coup, on ne fait pas plus naturel. Et j'ai vraiment hâte de le bloquer et de voir comment tout va se lisser. Je tricote un échantillon qui est plutôt dense. En fait, comme le fil est assez irrégulier, j'ai eu un peu de mal à déterminer quel échantillon je voulais. Là, j'ai 19 mailles sur 10 cm. J'ai vraiment hâte de bloquer ce pull pour voir comment ça va rendre. Mais du coup, oui, c'est vraiment une texture qui est très intéressante et que moi personnellement j'aime beaucoup et je trouve très agréable de découvrir le fil en le tricotant. Et tout ce que je vous ai dit en fait sur le fait qu'il soit irrégulier, que le retors est un peu curieux des fois, qu'il faut que j'enlève des bouts. En fait, comme je sais que c'est comme ça que cette laine est, il n'y a pas du tout une prétention d'avoir des standards industriels. Et je trouve que c'est très intéressant et c'est différent. C'est un processus qui est particulier et différent. La race de mouton principale dans ce fil, c'est de la tsigaï. Alors, c'est un thé, mais on dit tsigaï. C'est un thé avec une espèce de cédille dessous. Et donc, en roumain, c'est ts. Et d'ailleurs, en anglais, le nom anglais de cette race, c'est tsigaï. Et ça s'écrit TS. Tsigaï, qui est la deuxième race de mouton la plus importante en Roumanie, qui est une race qui est très intéressante parce qu'elle est. Elle a des propriétés de douceur et à la fois elle est hyper solide. Alors c'est un peu enfin, c'est un. Elle est un peu en danger d'après ce que j'ai compris parce que, bah, disons que la conservation des espèces. Les bergers roumains, encore une fois, ils s'en fichent. Mais je fais des généralisations, mais vraiment, il faut bien se rendre compte que autant nous, on peut être dans un esprit très très artisanal et très tradition et machin. Eux, leur problème, c'est j'ai pas assez pour m'acheter à manger. Donc vraiment, pas mélanger leur race de moutons. Ils s'en fichent. Mais le tsigaï, du coup le mouton tsigaï, il est. C'est. Quand vous avez de la laine rustique, vous avez un peu deux côtés. Vous avez le côté. Bah, un peu comme la Gotland, comme la Shetland, la Lopi, qui picote un peu avec plein de fils qui partent et quand vous le touchez, vous sentez ça pique un peu. Ce qui peut éventuellement gratter. Et après, vous avez le côté sec des fibres comme bah, Gilead, Ulysse de Deira Natura, les laines de Rosa Pomar et Rosaria. Et ça c'est sec. Ça n'est pas. Ça ne pique pas. Pas du tout. C'est portable à même la peau, je pense, pour beaucoup de personnes. Voilà, du coup, si vous avez envie de vous mettre aux laines rustiques, essayez des laines qui sont plus sèches que. Piquante, si ça fait sens. Ça, c'est le cas, c'est une qui sèche. Mais comme je vous dis, je l'ai lavée et elle. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, du coup, c'est une laine qui est très très résistante, qui est très chaude. Et j'ai vraiment hâte de voir mon pull fini. Parce que là, du coup, je suis. Au milieu du raglan, donc on voit pas grand-chose. Mais voilà. Et comme je vous dis, à la fin, il y aura du jacquard avec ces chevaux-là. De marron. Alors, il y a aussi un gris naturel. Et donc, c'est les trois couleurs de la Helena. Je sais qu'elle l'a teint aussi, elle a fait des teintures végétales aussi, qu'elle en a fait pour sa campagne de financement participatif. Mais voilà, ça, c'est. Et le gris, c'est les couleurs naturelles que vous pouvez trouver. Anna, de la Naïtrico, elle a du gris, elle vient juste de recevoir beaucoup de gris.
En tout cas, je savais que ce serait une laine très intéressante pour moi à travailler et c'est vraiment, je suis vraiment ravie d'enfin la découvrir et de pas être déçue quoi, parce que c'est vraiment comme je vous dis, c'est un processus. La laine, elle est pas lisse, elle résiste un peu, elle est pas ennuyeuse, non pas qu'il y ait un problème avec les laines qui ont des standards industriels et qui sont parfaites, mais là, toutes ces petites imperfections, le fait qu'il faille travailler avec, pour moi, ça rend le processus très 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 intéressant. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pris l'idée de départ de faire un design, oui, mais j'ai tout réparé d'abord. C'est-à-dire, mon patron est écrit, mon patron est prêt, je sais exactement ce qu'il fait et je suis maintenant. C'est pas un, c'est, je travaille pas comme ça d'habitude, mais là, pour le coup, tout est fixe et comme ça, je pratique la laine plutôt que de, en même temps, devoir me battre avec l'aspect design de la chose. Donc, c'est un pull qui va s'appeler le pull Feriga. Feriga, j'ai pas encore décidé parce que. En fait, si je dis, ça veut dire fougère. Si je dis ferrigue, c'est une fougère. Et si je dis ferriga, c'est la fougère. Le problème, c'est que ben, moi, je préférerais que ce soit une fougère. Mais c'est pas un A, c'est un A avec un petit accent. Et j'ai pas ce petit accent, donc c'est pénible de l'écrire comme ça. Donc je pense que ce sera ferriga, comme ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Mais le roumain a une grammaire qui est très 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 proche du latin. Enfin, c'est vraiment. Alors, je connais pas assez l'italien pour pouvoir faire la comparaison, mais le roumain a gardé les déclinaisons, a gardé le neutre, le genre neutre, a gardé les systèmes de pluriel et de dénomination qui transforment le mot, d'où ferigue, feriga. Il n'y a pas d'article en fait, c'est juste le mot qui change. Ce qui est un peu pénible à apprendre, très, très sincèrement. Mais voilà, petit aparté linguistique. Le roumain est une langue très, très, très latine. Mais voilà. Et cette laine est parfaite. J'espère pouvoir travailler dessus relativement vite, afin de pouvoir le sortir pas dans 20 000 ans. Du coup, c'est tout pour mes encours. Oui, c'est tout pour mes encours. C'est fabuleux. 20 ans après. Je veux maintenant rapidement vous montrer de la laine que j'ai eue à mon stage il n'y a pas très longtemps. Et qui est vraiment très sympa aussi. Je l'ai montrée sur Instagram. C'est la Brusca de Rosa Pommard. En fait, depuis qu'elle l'a sortie il y a quelques mois. J'avais tout de suite très très envie de la tester. J'aime bien la marque Retrosaria, j'aime bien ce qu'ils font. Et ça m'avait l'air d'être un fil. Déjà, il y a une palette de couleurs absolument magnifique. Et un fil qui serait très versatile, à la fois pour le jacquard, de par sa rusticité et voilà, le fait qu'il soit un peu soufflé, gonflant, qu'il s'accroche bien, mais aussi qu'il soit suffisamment rond pour s'accommoder des textures et des torsades, tout ça. Et donc j'avais très très envie de tester et bah, du coup il y a quelques semaines j'ai décidé d'en commander pour un design parce que j'avais une idée de design très définie et du coup j'ai commandé une quantité pull. Donc ça c'est la couleur 5C qui est la couleur caramel et ça c'est la couleur 13C. Et donc ce sera un pull en jacquard avec des torsades. Parce que pourquoi choisir quand on peut faire complètement too much? Rosa Pommard a designé un pull qui sera dans le prochain Laine Magazine. Donc c'est un pull avec des bouboules, des bubbles, le point popcorn. Je n'aime pas le point popcorn. J'aime bien quand c'est logique, c'est-à-dire quand ça fait partie d'un motif plus global. Mais quand c'est juste des bouboules partout comme ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui va faire un bruit de clochette à chaque fois qu'on marche. J'aime pas, je trouve ça une texture particulière.
Je trouve ça visuellement joli, je sais que beaucoup de gens aiment bien, mais je ne me vois pas faire ça. Et ni porter, ni... J'aime pas ça. Et du coup, cette laine et ce pull, depuis que laine a montré des aperçus de ce pull, évidemment, tout le monde est en émoi parce que il est très joli et tout le monde adore les boboules en ce moment, mais voilà. Et en plus, c'est dans ce coloris-là 5C qui a disparu la circulation, du coup. Et moi, j'ai eu la présence d'esprit. Je sais pas, des fois j'ai des visions comme ça. Je me dis, il faut que je fasse quelque chose comme ça. Il faut que je fasse quelque chose maintenant parce qu'après ça va pas marcher. Et du coup, j'avais commandé avant la tempête. La chance. Et en plus, j'ai commandé et j'ai montré sur Instagram. Et Anna, de l'Anna et Tricot, me dit, ah bah je les ai reçus pour les avoir en boutique. Du coup, bah, j'aurais pu commander chez elle, mais mauvais timing sur ce coup-là. Mais c'est une laine qui est super. Alors, pour le coup, elle est vraiment douce. Ah, vraiment, il n'y a pas à chipoter. Elle s'apparente vraiment à la Gilliatt et à la Lubis des Rerum Natura. C'est le même toucher, un peu sec, mais qui est quand même doux et qui a une texture qui va bien marcher pour. Voilà, pourquoi je vous parle du point popcorn? Parce que elles ressortent tellement bien. Le point popcorn sur ce pull qu'on a vu sur les photos de Laine Magazine, que du coup c'est vraiment la définition doit être vachement sympa. Je vais faire des échantillons. Donc comme je vous dis, ce sera un pull yoke, un peu boxy, un peu cropped, avec donc un yoke en jacquard, et le reste du corps aura des torsades. Et j'ai cette idée de design depuis très longtemps. Et j'arrête pas de repousser parce que je sais pas pourquoi j'ai une espèce de peur irrationnelle de designer un yoke alors que. Parce que je sais pas, les augmentations m'ennuient. Je trouve que parfois les augmentations sont très visibles, parfois elles sont mal placées, je sais pas comment me dépatouiller avec un motif de jacquard au milieu. Et du coup, voilà, je pense que la solution c'est de le faire en bottom-up. Je pense. Il va falloir que je fasse comme ça. Mais du coup, futur design, Ambrusca, qui est une laine que vraiment je vous recommande. Anna en a encore un petit peu en stock sur l'Anna et Tricot, du coup, ou si vous êtes à Grenoble, passez la voir. Il y a un panneau de coloris qui est très très beau. Personne n'a plus de 5C parce que tout le monde la veut. C'est comme la caramel de Dererum Natura, tout le monde la veut, donc voilà. Mais c'est vraiment, là par exemple, ce bleu. Qui est un peu marbré, chiné avec du noir. C'est une très belle laine et j'en suis très contente. Cet épisode va être beaucoup trop long. Il faut que je vous parle de Stripes, donc qui est la dernière e-publication de Making Stories, donc qui est une collection de patrons qu'ils ont sorti il y a un petit mois maintenant. J'en ai parlé dans mes épisodes en anglais et sur Instagram. Et j'avais envie de vous en reparler ici en français parce que c'est vraiment, je pense, la plus jolie collection qu'ils aient sortie jusqu'à présent. C'est vraiment tous les patrons, il y en a 8, il me semble. Je les ferai tous, vraiment, ils sont très beaux. Donc c'est une collection qui est centrée autour des rayures. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est des rayures de couleur, mais aussi des rayures de texture. Et je trouve que l'équilibre entre les deux est parfait, est très intéressant. Et il y a vraiment des jeux de textures qui sont magnifiques. C'est une collection entre saisons, donc il y a certains des pulls en dickey, il y a des accessoires, il y a des tops aussi. Et c'est vraiment une très très belle collection. Comme d'habitude chez Making Stories, ils font des portraits, des designers et des laines qu'ils utilisent, qui sont intéressants. Chacun un petit peu évoque aussi ce que sont les rayures pour eux. Voilà, c'est une très très belle collection. Je vous montrerai mon top 3. C'était très difficile de choisir parce que je les aime tous. Mais il y a trois patrons en particulier que je vais vous montrer. Donc c'est une publication digitale, donc qui est disponible sur Ravelry. C'est un e-book et en fait, mais du coup c'est bizarre pour moi de vous parler d'un publication et de pas l'avoir entre les mains pour vous montrer. Mais bon, je vais mettre les photos des pulls, enfin, puisque c'est que. Non, c'est pas que des pulls, des patrons en question.
Le premier, qui est vraiment mon coup de cœur, sur lequel j'ai craqué, qui est un des patrons qui est sorti cette année que je trouve le plus joli, c'est Pass de Sari Nordlund. Donc j'aime beaucoup les designs de Sari, de manière générale. Je trouve qu'elle a un travail sur les textures et les torsades qui est hyper intéressant. Elle a une chaîne YouTube où elle parle en anglais, et notamment en ce moment elle fait une série sur le design d'un pull, de A à Z, le processus de design, qui est très intéressante. Donc si vous comprenez l'anglais, je vous conseille d'aller la regarder. En plus elle parle doucement, les Finlandaises parlent doucement. Mais elle a vraiment des designs qui sont hyper sympas, et Pass en particulier, qui est magnifique. C'est un jeu de textures très très beau. Elle est tricotée en mayak, donc c'est la laine de yak et de soie, il me semble. C'est un mélange très luxueux. Donc je pense qu'il faut un fil avec beaucoup de drapé, un petit peu de brillance si possible. Mais en tout cas, le pull est très très beau, et j'ai vraiment très envie de me le faire. Peut-être au printemps. Avec une laine, je pense à de la Eden Cottage Yarn, leur mélange BFL soie. Je pense que ce sera très bien pour ça. Le deuxième modèle que je voulais vous montrer, c'est Cara, donc qui est une étole. Alors, c'est Emily Green, il me semble. C'est The Other Emily sur Instagram. C'est une étole en fait avec un petit peu de dentelle et des jeux de texture encore, qui est très très jolie. J'aime beaucoup les étoiles rectangulaires, et celle-ci en particulier, c'est un des premiers modèles que j'ai vu de Stripes, de la publication, et tout de suite j'ai craqué dessus parce qu'elle est vraiment très très belle. J'aime bien les modèles de The Other Emily. Si vous la suivez pas sur Instagram, je vous conseille, elle fait toujours des designs très très architecturaux. Il me semble qu'elle est architecte dans la vraie vie, donc c'est assez sympa. Et enfin, le dernier pull que je voulais vous montrer, c'est le pull Striper, qui, alors pour le coup, est un pull à rayures colorées, en déca, avec du coup de la texture aussi dans ses rayures. Et je le trouve très joli. Et alors, le nom de la designer, je suis désolée, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle a un très beau nom, très compliqué. je l'écrirai en bas là. Elle a fait ce pull, du coup, qui combine vraiment les rayures colorées et en même temps des textures. Et c'est très très joli. Et je pense que le truc vraiment difficile, ce serait de choisir une association de couleurs sur ce coup-là, parce que c'est un pull qui est à la fois très classique, enfin c'est un pull rayé, et il y a un petit truc avec ces couleurs, enfin ces textures sur les rayures, qui est très intéressant. Voilà, l'ensemble des patrons est très beau, j'aime beaucoup, et voilà, je vous conseille vraiment cette publication. Le seul truc que je regrette un petit peu, c'est, alors, Making Stories, ils ont vraiment ils se concentrent vraiment sur les matériaux, sur avoir des matériaux éthiques, responsables, sur créer une garde-robe durable. Mais du coup, en fait, quand ils font des portraits des laines et des entreprises et des marques de laine, c'est plus voilà, un portrait de la marque, plutôt que d'expliquer qu'est-ce que c'est que la laine qu'ils ont utilisée pour ce modèle, et en quoi cette laine fonctionne bien, quelles sont ses caractéristiques, bah, voilà, même comment elle est faite, qu'est-ce que c'est que cette race de mouton qui est utilisée dedans. Ils parlent pas du tout de ça, et je trouve ça un peu dommage, parce que pour moi ça rentrerait complètement dans leur esthétique, et du coup ça manque un petit peu d'informations techniques sur ce point là. Bon, d'un autre côté, ça c'est une publication digitale, donc on peut pas non plus faire un PDF de 10 000 pages, mais ouais, j'aimerais bien qu'ils se penchent un peu plus sur ce terrain là pour leur prochaine publication, mais voilà. C'est le petit défaut, on va dire. Mais en tant que collection de patrons, cet e-book est très très beau. Et voilà. Et je me vois bien tricoter quelques patrons de cette collection à l'avenir. Donc voilà pour Stripes. Alors, je vais finir cet épisode, enfin, en répondant aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc il y a des questions, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc ça va aller vite, tant mieux, parce que là, mon téléphone est en train de mourir et de me dire, il n'y a plus de place, dépêche-toi. Voilà, donc il y a des questions tricot, des questions vie, et des questions
trivia, trivio, trivial, on va dire. Comment on dit en français, je ne sais plus. Donc je vais y répondre rapidement. Je commençais par les questions, j'ai écrit, tu tiens un petit cahier. Je commençais par les questions tricot ou créatif. À quelle fréquence laves-tu tes tricots? Jamais. Je lave très peu mes tricots. En fait, c'est aussi pour ça que j'aime bien utiliser des laines non superwash pour les pulls, parce que elle a l'anoline qui apporte une qualité à la laine qui risque de partir si on la lave trop. De manière générale, la laine, ça respire tellement, ça n'attrape pas les odeurs. Même les odeurs de cuisson, de nourriture, j'ai remarqué que ça n'accroche pas la fibre de laine comme ça accroche parfois quand j'ai des t-shirts en coton ou sur mes cheveux, tout ça. Et quand bien même ça sentira un petit peu des odeurs de nourriture, il suffit que le tricot reste un peu à l'air libre un petit peu et après l'odeur s'en va. Après, évidemment, que je les lave de temps en temps. Peut-être une fois par saison, mettons s'il y a un pull que j'ai vraiment mis beaucoup, qui serait comme celui-là, un pull en fingering, peut-être plus fin, que je porterais relativement près du corps, peut-être que je vais le laver une fois à la fin de la saison, comme ça il est prêt pour la saison d'après. Mais voilà, de manière générale, ils sont pas mauvais. Il y a parfois un peu de poussière dessus, mais pas tant que ça. Ce que je lave fréquemment, c'est les chaussettes, évidemment. Les chaussettes, je vais les porter, admettons, 2 jours. Parce que c'est pareil, la laine respire tellement qu'il n'y a pas de... Et souvent, en plus, j'ai tendance, parfois, quand il fait froid, à mettre des chaussettes en coton sous mes chaussettes en laine. Ce qui, je sais, tue un peu le côté respirant et thermorégulateur de la laine. Mais dans certains cas, j'aime bien faire comme ça. Mais du coup, en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que les chaussettes ramassent toutes les poussières, n'importe quoi, parce que j'ai pas de pantoufles. Je suis allergique aux pantoufles, je ne supporte pas ça, ça fait du bruit, ça m'énerve. Je suis toujours en train de les mettre, de les enlever, parce que je m'assois, je me lève, je m'assois, je me lève, ça m'ennuie, les pantoufles. Donc je ne porte pas de pantoufles, je marche tout le temps en chaussettes. Ce qui me permet de faire peur à tout le monde, parce qu'en général, les gens ne m'entendent pas venir. Donc souvent mes parents sursautent parce que j'apparais derrière eux parce qu'ils m'ont pas entendu venir, vu que eux avec leurs pantoufles ils font tout un ramdam, on dirait un troupeau d'éléphants, donc je les entends venir à 10 km en sachant exactement qui est qui parce qu'ils font pas le même bruit avec leurs pantoufles. Bref, tout ça pour dire que mes chaussettes ramassent pas mal de poussière. Alors pas de miettes ni rien parce qu'on a 2 bulldogs français qui ramassent toutes les miettes, hein. Donc du coup on a de la poussière dans la maison, on n'a jamais de miettes de quoi que ce soit. Non, on a les aspirateurs vivants qui passent après nous. Bref, je divague. Mes chaussettes ramassent forcément la poussière, tout ça. Donc ça, pour le coup, je les lave après deux utilisations, juste pour enlever la poussière. Mais voilà. Donc je dirais une fois par saison de port pour les pulls. Les châles, c'est vraiment si je les ai beaucoup portés, s'ils ont eu un truc, s'il y a des odeurs de fumée ou de je sais pas quoi. Je fume pas, personne ne fume. Ce que je veux dire fumer, c'est les barbecues. Les gens font trop de barbecue, ça sent le barbecue partout. Arrêtez. je plaisante, vous faites ce que vous voulez. Juste que du coup, pour le coup, la fumée de feu, pour le coup, ça, c'est le truc qui peut-être sent un peu sur la laine. Dans tous les sens. Mais les chaussettes, après deux jours de port, on va dire, voilà. Elles sont pas sales par mois, en fait. Elles sont sales parce qu'elles ont ramassé un peu de poussière. Je balaye ma maison, hein, c'est pas... Mais bon, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Bref. Y a-t-il une technique que tu préfères, jacquard, torsade? Les deux, déjà. Le jacquard et la torsade, c'est vraiment... Le jacquard et les torsades, c'est vraiment... Les deux trucs sur lesquels je scie. Le jacquard parce que j'aime beaucoup le rendu. Attention choc, j'aime pas spécialement tricoter le jacquard. Le processus, le tricot du jacquard, j'aime bien, hein, mais c'est juste pas...
J'ai tendance à aller très vite avec parce que j'adore comment ça. J'adore le visuel en fait. C'est plus un. Le jacquard pour moi c'est plus un tricot projet que processus. Voilà. Ce qui fait qu'en fait il y a une technique que je découvre petit à petit en ce moment et dont je vais vous parler sans doute un jour. C'est la mosaïque. J'adore ça. Je trouve ça vraiment très bien. Parce qu'en fait, du coup, ça combine l'aspect visuel très satisfaisant du jacquard. Et je trouve ça aussi un peu plus sympa à travailler parce qu'il y a moyen de faire des jeux de textures parce qu'on peut le faire en point mousse. Et du coup, on peut jouer soit du jacquard, soit du point mousse, rajouter des petits trucs. C'est des mailles glissées. C'est pas que j'aime pas tricoter le jacquard, c'est juste que je suis pas autant emballée par le processus du tricot que par le résultat, en fait. Les torsades, au contraire, j'aime les deux, j'aime les faire et j'aime les regarder. Avec le petit bémol que les torsades me font mal. Maintenant, je me suis un peu pourri le coude de la main gauche et ça m'embête et je sais pas comment je vais faire parce que j'ai des projets qu'il va falloir que je fasse en torsade, avec beaucoup de torsades, notamment des torsades torse, des trucs un peu fins et tout ça. Je sais pas comment je vais faire, je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir le faire en étant soulagée, mais les torsades j'aime beaucoup. Le processus et le rendu visuel. J'essaie de penser, voir s'il y a autre chose que j'aime bien. Oui, je pense que c'est les trucs. Au niveau du processus, les torsades et la mosaïque. Au niveau du rendu visuel, les torsades et le jacquard que j'aime beaucoup. La dentelle, c'est particulier. J'aime bien tricoter certains motifs. Ça dépend vraiment du motif. C'est pas quelque chose sur lequel je me tourne en priorité. Même si je trouve ça très joli dans certains cas. Pourrais-tu continuer à nous présenter des livres en anglais ou en français, peu importe. Alors en fait, je ne sais pas si tu veux dire des livres de tricot ou des livres. Si c'est des livres de tricot, oui, bien sûr. J'essaye. Après, voilà, j'ai des livres dont j'aimerais vous parler éventuellement, mais j'en ai pas forcément tout le temps, j'ai pas forcément le temps. Cet épisode va durer 2 heures, au secours. J'ai pas forcément le temps. Et puis surtout, je veux pas vous parler de 15 livres en un même épisode. Mais des livres de tricot, oui, bien sûr, je vais continuer à en parler. Et si c'est juste des livres, parce que sur mes épisodes en anglais, des fois, je parle aussi de livres ou de séries ou de choses comme ça. Oui, après, là, ça fait un moment que j'ai pas fait en anglais parce que ça fait un moment que j'ai juste pas beaucoup lu. Je suis désespérément coincée sur ça de Stephen King et sur d'autres livres en même temps. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste que ça me fait peur. Du coup. Je lis pas. Bref. Mais oui, en gros, oui. C'est juste. Voilà. Peut-être pas de façon hyper régulière non plus. As-tu des tissages, un tissage prévu en cours? En cours, non. Parce que j'ai. Le tissage, c'est beaucoup d'installation, c'est beaucoup de préparation. Et disons que c'est long. Il faut que ça me travaille pendant un moment, jusqu'à ce qu'un jour je me dise, oh, j'ai vraiment envie de le commencer, je commence. Donc en cours, non. En prévu, oui. Une couverture, en fait. Ça fait un moment que j'ai envie de me faire une couverture. J'ai un métier à peigne rigide qui fait 60 cm. Et je veux, en fait, tisser 3 panneaux et les coudre ensuite ensemble. Je veux faire ça avec plein de restes de laine. J'aimerais bien que ce soit maintenu dans des tons un peu neutres, brun, gris et cru. Je suis pas sûre que ce soit possible, je verrai. J'ai plein de restes de laine, donc j'aimerais bien les utiliser dans ce projet couverture, mais voilà, ça va être un projet immense. Et rien que la perspective de monter la chaîne sur le métier 3 fois. Quoique du coup ce sera pas forcément une longue chaîne, parce que ce sera une couverture. Ouais. Donc oui, prévu oui. As-tu des patrons de tissage à recommander? Des patrons. En fait. Je suis pas sûre qu'il y ait des patrons de tissage. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des.
Il y a des noms pour certaines techniques et pour certains aspects. Et du coup, en général, quand on cherche le nom, on trouve comment monter la chaîne et faire pour que ce soit, pour que ça rende ce point particulier. Genre, est-ce que c'est un plaid? Est-ce que c'est un tartan? Est-ce que c'est du pied de poule? Des choses comme ça. J'ai ce livre-là, moi. Inventing Weaving on a Rigid Hello, on a Little Loom. Qui non seulement vous explique comment utiliser un métier à peigne, mais aussi vous donne des idées de projets et de points à faire. Et il donne pas mal de possibilités en fait pour notamment utiliser deux peignes, monter la chaîne d'une certaine façon, utiliser un shuttle stick. Un chat stick, pardon, pour faire des motifs encore plus complexes. Et du coup, il donne, à la fin, je vais y arriver, il donne quelques idées de mise en place pour faire tel ou tel motif. Voilà. Là en particulier, vous avez des trucs sur les motifs de plaid et les motifs pieds de poule. Voilà. Et vous avez aussi un petit peu des choses sur les tapisseries. Si la question n'était pas forcément sur comment faire du tissu, il y a aussi un petit peu sur la tapisserie. Notamment sur les points sous-max, sur les points ci, points mi. Sur. Les tissages à chaîne, comment est-ce qu'on pourrait dire? Les tissages où la chaîne est plus mise en avant que la trame. Voilà, vous avez des espèces de modèles, des trucs comme ça. Il y a quelques livres de tissage de tapisserie uniquement. J'en ai quelques-uns. Le plus joli est celui où il y a vraiment des modèles de tissage de tapisserie. C'est celui de Julie. Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est Julie Weaves sur Instagram, qui est en français parce que ça c'est en anglais du coup, désolée. Julie Weaves sur Instagram. Alors le nom de son livre c'est Tissage contemporain, je ne sais plus. J'écris tout dans la description. Et pour le coup, elle donne vraiment elle donne vraiment des patrons en fait, des modèles. Je vous dis, il vous faut telle ou telle laine, et pour faire un tissage comme ça, on utilise ce point-là. Voilà. Si la question c'était sur la tapisserie, c'est ça. Mais après, c'est vrai que c'est plus difficile d'apprendre à faire des trucs en tissage qu'en tricot. En tissage. Tapisserie, il y a beaucoup beaucoup de ressources sur internet, dans les tissages modernes, des trucs comme ça. Mais sur les tissus, c'est. Ouais. Souvent, ça parle de métiers à multiples peignes, à les métiers traditionnels. Du coup, en fait, si vous apprenez à tisser, vous n'avez pas forcément un métier à 16 peignes, le truc énorme qui prend toute une pièce et qui coûte 3000 euros. Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que j'avais pris ce livre, parce qu'il est spécifiquement sur les petits métiers, les métiers à peigne rigide, comme ça. Et il donne quand même pas mal d'astuces et d'idées pour permettre de faire des choses plus compliquées. Voilà. Du coup, c'est les questions créatives. Question qui est revenue plusieurs fois, c'est. Alors, je passe aux questions plus perso. Question qui est revenue plusieurs fois, c'est juste qu'est-ce que je fais dans ma vie? Rien. Alors, j'ai une formation en lettres et communication, j'ai une formation d'attaché de presse en fait. Donc, j'ai travaillé en tant qu'attaché de presse un petit peu en parallèle de mes études. Et en fait, j'ai arrêté mes études pour. Parce que problème, manque de chance et problème financier, personnel, des trucs. Donc en fait, là, je ne travaille pas. Enfin, je ne travaille pas. Je ne fais pas trop de tricot.
J'ai dû retourner chez mes parents, la queue entre les pattes. Bref. Ça va, hein, j'ai pas de soucis. Mais du coup, non, je n'ai pas d'emploi autre que de designer des modèles en ce moment. Voilà. D'où le fait que je fasse des pulls en une semaine et arrêter de dire que je tricote vite. Non, c'est juste, je ne fais rien. Rien. Qu'est-ce que j'ai dit? Autre chose. Oui. Le maquillage de tes yeux est très réussi. Pourrais-tu me partager tes secrets? Merci. Pour le coup. Je sais pas si tu. Parce que je me maquille pas, donc ça, les yeux, j'ai pas l'impression. Dans une autre vie, avant d'être obsessive du tricot, j'étais obsessive des. Alors plutôt des soins du visage que du maquillage, mais j'avais une approche très scientifique par rapport à ça, et j'étais très très précise et très à fond là-dedans en fait. Et du coup, je sais pas, si on me voit avec des fards à paupières, c'est probablement les palettes Naked d'Urban Decay. Et en ce qui concerne l'eyeliner, en fait, je n'arrive à me mettre de l'eyeliner que depuis 4 ans max, peut-être. J'ai commencé par en fait utiliser un pinceau fin à angle, comme ça là, les pinceaux qui sont à angle, que je mouillais et je prenais de la poudre de fard à paupières noire, en fait, mouillée pour que ça soit noir plus intense. Et en fait, c'était plus facile de faire un trait comme ça. Et il y a quelques temps, j'ai récupéré de ma mère qui n'utilisait pas un pinceau à eyeliner, le truc liquide classique. Et des fois j'arrive, des fois j'arrive pas. Le truc c'est que quand j'arrive pas, vous ne voyez pas. Pas de secret particulier. Je suis pas très. Je maquille peu, je maquille moins. Comme je vous dis avant, j'étais à fond là-dedans, mais plus soin du visage quand même. Et en plus, quand je travaillais en tant qu'attachée de presse, j'étais attachée à une section beauté. Donc je travaillais pour des marques de maquillage et de soins et tout ça. Voilà, moins maintenant. Beaucoup de mascara. C'est tout. autre question, encore deux petites questions rigolotes. Quel est ton plat préféré? Je sais pas. Je sais pas. Les lasagnes aux champignons? C'est pas très glamour, je suis désolée, mais ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les pâtes et les patates, mais j'aime beaucoup les pâtes, et donc les lasagnes aux champignons, ça devrait être quelque chose. Parce que je ne mange pas de viande. Donc les lasagnes aux champignons. Je pense. Après, je suis très très nourriture asiatique. Quelque chose que je pourrais manger indéfiniment, c'est des gyoza, des raviolis japonais, vous savez, les raviolis qui sont un peu grillés aux légumes, du coup. Vous me donnez ça à volonté, mais je ne m'arrête pas. C'est quelque chose qui ne serait jamais rassasié de ça. J'en mangerai, mais vraiment à l'infini. Voilà. Je pense que c'est ça mon plat préféré, mais du coup, c'est un peu. J'arrive parfois à faire des raviolis asiatiques parce que j'ai des amis chinois qui m'ont montré comment eux ils font leurs raviolis. Alors, c'est pas les mêmes que les raviolis japonais, c'est pas les mêmes que les raviolis italiens, ni coréens, machin, certes. Mais du coup, j'arrive parfois à faire des raviolis type asiatique qui sont plutôt corrects. Des fois, j'arrive pas, des fois, j'arrive. Donc, j'aurais pu dire ça en fait, mais c'est plus facile de faire des lasagnes que des raviolis, que des gyoza. Voilà. Et vin rouge, rosé ou blanc? Blanc. Quoique, je suis pas très vin, je sais, brûlez-la. Mais ouais, à choisir, je préfère le martini, mais sinon, vin. Voilà. Si vous voulez m'envoyer une bouteille. Pas de soucis. Voilà, c'était des questions un peu rigolotes, mais quand même sur le tricot. Donc voilà, cet épisode va faire 150 ans. Peut-être que je vais le diviser en deux, je ne sais pas, je verrai. Du coup, j'ai très bien fait de pas l'enregistrer en même temps que mon épisode en anglais. Mais voilà, beaucoup de choses. J'espère que l'épisode vous a plu. Part un peu dans tous les sens, mais voilà. Du coup, je vous retrouverai dans un mois, mi-octobre, fin octobre. Je vous souhaite une très bonne continuation de S'il te plaît, l'automne arrive. Voilà.
Je vous souhaite un très bon mois. Profitez bien des derniers jours de beau temps. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!